Bayeba kombo ya nzambe na ngai Abeho ya benga ngai Nama ya koti kamate uko Bayeba kombo ya shiru na ngai Abeho ya benga ngai Nasale la utabo mwana na ngai Amba kita kan papai de Tango Nae, et je pense que ça va vous plaire. Je vous propose de vous la montrer par une série de plusieurs vidéos. Comme elle est quand même assez longue, il y a beaucoup de guitares dessus. Moi, j'ai fait aussi ma version. Mais ça va vous donner une idée générale pour pouvoir la maîtriser, au moins au niveau des accords et puis des petits thèmes mélodiques qu'il y a autour de cette chanson. Cette chanson, elle est jouée en mi. Dans l'album, il a joué en mi. J'entends 3-4 guitares, je crois, dedans. Je sais pas comment il a fait, je crois que c'est 2, 3, 4 guitares qui sont superposées. Donc à chaque fois, il y a ce jeu de questions-réponses entre les guitares, donc très bonne équipe. On va la faire simplement, donc, l'harmonie du début, ok? L'harmonie de l'introduction. Elle nous fait donc... On commence avec un accord de Do dièse mineur. Après, La majeur. Moi, je fais un La suspendu, ok? C'est un La suspendu 2, celui-là, hein? Suspendu 2, hein? Que je vous dise pas de bêtises. Voilà. La suspendu 2, c'est ça. Vous pouvez aussi la jouer comme ça. Que je joue de cette manière-là, donc le La suspendu, comme ça. Et après, je retombe sur le Mi. Soit ici ou bien ici. Donc on recommence. La suspendu, Mi. Ensuite, Fa dièse mineur. Vous pouvez jouer comme ça. Et ensuite, Si majeur. On est toujours sur l'intro. Ça, c'est l'harmonie des accords au début. La majeur, Mi, Fa dièse mineur, Si. Pour info, le Fa dièse majeur, mineur, je l'ai fait comme ça, parce que vous pouvez le jouer comme ça. Moi, je le colle comme ça, je garde cette forme-là et je rajoute le pouce. Par contre, je ne joue pas cette corde-là. Enfin, cette corde, je l'étouffe pour pas qu'elle joue. Pas que ça. Si. Et on revient sur Mi. Par contre, là, on va se faire une descente. Là, donc, on fait la descente à partir d'ici.
C'est un genre de si vous voulez, c'est plutôt un si renversé. Ok, donc c'est mi si. Ça donne ce si là, cette forme là de si. Sauf qu'on l'a renversé, donc on va jouer juste cette partie là. Et do dièse mineur, si majeur, notre la suspendu 2, donc la majeur. Si vous décidez, soit vous faites un la majeur. Moi, je trouve que le la suspendu, ça fait une belle couleur. Et ensuite, sol dièse mineur, même forme que ensuite, fa dièse mineur. D'accord? Donc, regardez votre descente. Donc, c'est. Ça vous fait juste les accords du début. C'est pour votre introduction, hein, le démarrage de la chanson. Donc, à zéro, très doucement. Da, da, do dièse mineur, do dièse mineur, la. Donc la suspendue, mi, fa dièse mineur, si, mi, si renversé, do dièse mineur. Fa dièse mineur, si, mi. Donc ça vous fait à la fois votre introduction du début, mais ça vous fait aussi un moment le break quand la musique se remet à respirer. Ça vous fait ces deux parties là. Un moment au début. Descente. Oui, donc mi, si renversé. Et le dièse mineur. Descente et reprend. C'est le début de la chanson, l'harmonie des accords pour le début de la chanson. Et sur les accords, donc mi, si majeur renversé déjà, do dièse mineur, si, la ou la suspendu, 2, sol dièse mineur, fa dièse mineur, si et mi. Si vous voulez la jouer,
joue à la guitare solo, voilà la manière dont moi je la joue, juste la guitare solo. Hein. Bon, en dehors de la version acoustique que je vous ai montée tout à l'heure, juste la guitare solo. Donc vous pouvez démarrer ici. Ouais. Ouais, le hammer on. Comme si on faisait un do dièse suspendu 2. C'est bien le début, ça, on prend. Ok. Ok. Vous pouvez faire ça à la guitare solo éventuellement en même temps que l'accompagnement. Donc soit vous la jouez à la guitare solo, vous jouez cet accord à la guitare solo, ou bien vous laissez le clavier, l'accompagnement, faire le fond, hein, faire le fond sur lequel vous allez faire le solo. Ça partirait du début. Et là, vous vous effacez, vous attendez votre tour. Ok? Vous attendez juste votre top départ à vous. Et votre top départ, ce sera ici. D'accord? Moi, je le fais de cette manière-là. Ça, c'est la gamme pentatonique, hein. Ça, c'est purement la gamme pentatonique. Après, là, on revient sur la gamme majeure. Hein. On est sur notre accord de Mi, ici, Mi majeur, que vous allez faire comme ça. Et vous allez prendre quelques notes donc, de la gamme majeure. En Mi. Ok. Ensuite, bon, ça c'est moi qui rajoute. Hein. Sur l'harmonie de la partie. Moi, en live, je joue une cocotte. C'est comme ça. Quand vous bloquez votre son ici, hein, vous couchez
votre main juste à l'extrémité des cordes pour avoir un son un peu rebondi comme ça. Ouais, ça change du... C'est un peu plus bruyant. Donc quand je fais ça, je vous fais une cocotte. Ça va bien avec l'harmonie du clavier, de l'autre guitare accompagnement, des guitares basses, etc. Et aussi des voix. Donc ça vous fait un petit effet dosé pour que les voix soient plus mises en avant. Donc c'est ça que je fais à la guitare solo pendant le Tawakitaka, Akitaka, Papae. Donc c'est ça. Donc c'est ça, hein. On est en train de faire des accords raccourcis ici. Vous voyez ? On est sur notre accord de mi et on fait comme ça. Vous voyez ? Doucement. Et j'ai diminué un petit peu la pédale à effet. Hein. Ça à votre sauce, ça c'est pas comme ça qu'ils l'ont joué vraiment dans l'album, il me semble, mais je trouvais que ça passait pas mal en live, surtout si vous faites ça en comité réduit, hein. Au studio, si vous écoutez bien, ils ont mis plein de pistes de guitare, plein de pistes de piano, etc. Bon, voilà, si vous êtes en live, vous n'avez pas forcément assez de personnel pour pouvoir jouer exactement de la même manière. Donc si par exemple vous avez une guitare, un piano, une batterie, une basse, vous pouvez vous en sortir en faisant ce genre de mélodie. Donc voilà la manière dont je la joue. Ok, ensuite. D'accord. Après. Oui. La descente, ok, donc j'ai fait, et je descends ici, ok, deuxième solo avant de rentrer dans le refrain suivant. Moi, je le prends à partir d'ici. Ok, on est toujours sur notre gamme pentatonique mélangée un peu avec la gamme majeure, mais ça fait... Doucement, vous partez à partir de votre Do dièse mineur. Ok. Ok. D'accord. Et on repart. Pentatonique. Je reprends. Mmh.
tout à l'heure. Donc la même que je vous ai montré tout à l'heure. Et pour le fun aussi, ce que j'aime bien faire, c'est petite harmonique. Les harmoniques, c'est quand vous déposez juste le doigt au-dessus des cordes, au niveau de la 12e case, la 12e frette. Hein, vous déposez comme ça, ça vous fait une petite harmonique comme ça. Hein. Donc ça, faut bien le faire. Il faut juste déposer légèrement, vous effleurez vos cordes comme ça. Vous déposez. Donc ça marche à la 12e corde, ça marche à la 12e case, pardon. Hein. Donc juste à l'extrémité de la 12e case. Ça marche à la 7e aussi. Donc juste au-dessus de la 7e frette. Hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Juste au-dessus de la frette. Si vous déposez votre doigt comme ça par-dessus, vous effleurez. Ça vous fait une harmonique. Et ça marche aussi pour la 5e frette. Pareil, vous déposez votre doigt par-dessus. Ça vous fait ce qu'on appelle des harmoniques. Alors vous avez peut-être déjà entendu ça. Pour les guitaristes acoustiques, ils aiment bien utiliser ce genre d'effet. Bon, la suite dans la prochaine vidéo, hein, ce sera encore des intervalles, intervalles en dixième. Donc si vous n'avez pas encore téléchargé le PDF et que vous n'avez pas commencé à les apprendre, eh ben, faut y aller. Faut télécharger, c'est gratuit en s'inscrivant sur mon site. Donc dites-moi ce que vous en pensez, likez, mettez-moi dans les commentaires si ça vous aide, si je suis pas allé trop vite, parce que cette chanson elle est quand même assez compliquée. Bon, moi je l'ai travaillée donc elle est un peu évidente pour moi, mais peut-être que pour vous, je suis allé un petit peu trop vite. Donc dites-moi dans les commentaires si ça va, si c'était pas trop rapide, et si vous voulez que dans la prochaine vidéo, qu'on reprenne cette partie-là et qu'on aille un petit peu plus doucement. Bref, dites-moi, on est ensemble.